Et bien salut à tous les gamers, c'est Graphic. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui ça va vraiment extrêmement bien. Alors en effet ça faisait peut-être longtemps, voire même vous pouvez vous demander qui je suis tout simplement. Et bien j'étais membre obscur il y a de là, j'ai commencé à être dans l'obscur il y a à peu près un an. Et du coup ça faisait longtemps que j'ai pas commenté, donc pour ceux qui se souviennent c'est Graphic, voilà. Je retourne un peu sur tout ce qui est commentary. Parce que ça fait du bien honnêtement. Mais là n'est pas le sujet parce que moi on s'en bat un peu les steaks là dedans. Je vais vous présenter le nouveau membre obscur qui vous a réalisé ce 58 GS sur Black Ops 3, donc Nuketown 2050, 2000, je ne sais plus combien. Ça fait à vrai dire longtemps que je n'ai pas regardé de gameplay de Call of Duty. Mais en tout cas voilà, 58 gun streak à la M16. Donc franchement le gameplay est franchement super agréable à regarder, pour le peu que j'en ai vu, ou du moins que je suis en train de visionner en même temps que vous. Et du coup ça a été réalisé par le joueur Linz. Donc voilà, franchement bienvenue à toi, bienvenue, donc voilà, avec de très beaux gameplay qui je pense vont vous faire plaisir. Aujourd'hui je voulais vous demander déjà d'une part de lui souhaiter la bienvenue, mais juste de vous dire un petit truc. Derrière cette vidéo il y a énormément de gens qui ont travaillé pour que vous puissiez la regarder. Juste cliquez dessus, même il y a des gens qui cliquent juste sur la vidéo. Et il y en a d'autres qui restent jusqu'à la fin sans forcément se dire voilà bah derrière cette vidéo qu'est-ce qu'il y a eu. Bah moi je vais vous dire rapidement ce qu'il y a eu, parce que ça sert à rien de présenter le gameplay pendant une demi-heure, que je raconte ma vie ou également que je dise bienvenue pendant 20 minutes aux membres de la Obscur tout simplement. Moi je vais simplement vous donner mon avis là-dessus, parce que je trouve que il y a très souvent les mêmes personnes qui sont félicitées. C'est en général soit le player, tout simplement, pour la performance, en fonction de ce qui est mis en avant dans la vidéo, ou alors le commentateur. Donc c'est bien gentil, mais il y a un moment, faut que vous disiez, vous, que derrière une vidéo, que ce soit une vidéo de la Obscure ou derrière la vidéo d'une autre chaîne de team, car en général, le travail est plus délégué que sur une chaîne personnelle, malgré qu'aujourd'hui, il y a des gens qui engagent des monteurs ou autres, il faut se dire qu'il y a différentes personnes. Par exemple, pour faire cette vidéo, il faut vous dire qu'il y a eu la personne qui a fait le gameplay, donc Linz. Derrière cette vidéo, il y a Linz ou Linz, je sais pas du coup comment ça se dit, mais je pense que la première prononciation est un petit peu mieux. Désolé si j'ai fait une petite erreur. Mais en tout cas voilà, donc déjà de base vous avez la personne qui a réalisé le gameplay. Donc bien évidemment soit il a eu la possibilité de record lui-même son gameplay, soit c'est quelqu'un d'autre qui lui a record son gameplay. Donc déjà là on peut faire intervenir au maximum deux personnes rien que pour un gameplay. Après ensuite il y a eu le commentateur qui vous a fait le commentary derrière, donc moi actuellement. Vous avez la personne qui m'a donné la vidéo à faire tout simplement, donc là c'était Warnix en l'occurrence, ça aurait pu être Furox. Mais voilà, donc déjà on a déjà 4 personnes maximum dans tout ce que j'ai énuméré qui font la vidéo. Après moi par exemple derrière j'ai fait tout ce qui est montage, commentary, les musiques qui vont par dessus et autres. Malgré que ça soit un montage qu'on peut qualifier de extrêmement rapide à faire. Et après il y a l'upload qui est fait sur ma chaîne personnelle, qui est ensuite envoyé sur la chaîne de La Obscure. Donc voilà derrière le travail qui est un peu derrière une vidéo. Je sais pas, j'avais envie de vous en parler, j'espère que je vous aurais pas trop fait chier avec. Mais n'hésitez pas à remercier les gens voilà qui vous ont produit cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas voilà à faire un petit message en disant bah merci à vous d'avoir fait cette vidéo ou quoi. Ça fait un peu con de dire ça comme ça, mais voilà, vous pouvez dire bah la miniature est très propre, parce que j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, il y a le Mini Maker aussi. Voilà, miniature très propre, le commentaire est sympa, le gameplay est propre, voilà tout ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.